Salut à tous, c'est Adrien et je vous retrouve pour le second épisode de... Splinter Cell Conviction. Oh putain, le gros blanc que je viens de mettre. Qu'est-ce que c'est comme PC que le... Cisco. Oh la pub! Ok, donc on est parti. Donc là, on doit trouver du C4. Regardez, c'est marqué là. Trouver du C4. Oh. Salut toi. Alors, je t'explique. Voilà. Ok, salut les mecs. Donc je vais venir vous dire bonjour. Attendez, je suis mal poli, tout ça, vous voyez. Je suis très mal poli. Comment est-ce que je... Au revoir. Merde. Bien. Vous m'excusez les mecs. Mais j'ai besoin de ce pain de ces quatre. De ce pain. Excusez-moi. Sans GPS, ils ne pourront pas localiser ma voiture. Mais ils ont un hélico, ce qui rend les choses un peu délicates. Ils vont m'envoyer dans le décor. Attention, projection. Ce coin est tellement isolé que personne ne remarquera rien. Tu dois mettre l'hélico hors service ou tu n'as aucune chance. Ok, mais une explosion, c'est pas vraiment discret. Mais d'accord. C'est pas très discret. Ok, on ferme la porte. Tu crois vraiment que ça va marcher? J'en sais rien. Mais j'ai pas envie de découvrir nos dépens quand on sera tout là-haut. Ce sera jamais sec à temps. Il le faut. On doit tester ce truc dans pas longtemps. Alors, attendez. Attendez, faut que j'élimine lui là. Il y en a deux en bas aussi. Tu sais ce que c'est ce truc? Il y a quoi dedans? Dedans, il y a de la fibre, le verre et du cuivre. L'armée américaine a bossé dessus dans les années 90. Et après, nos gars l'ont perfectionné. Faut bien qu'il serve à quelque chose. J'ai toujours dit que c'était mieux d'avoir les intellos de son côté. Ouais. Le problème, c'est qu'ils sont à découvert, donc si je le bute... Lui par contre il est isolé. Je n'existe pas. Lui me voit pas. Ça c'est fait. J'ai plus qu'à placer du C4. Hop, je place le pen de C4. Grim, c'est bon pour l'hélico. Mais il faudra aussi que je m'occupe de leur réseau électrique. Bien vu. Black Arrow a fait changer le système quand ils ont reconverti l'aérodrome en terrain militaire. Donc il est vulnérable. Les relais sont le point le plus faible. Tu sais où ils sont? Il y en a un dans l'un des baraquements. Il n'est pas protégé. Ok. Ok, j'y vais tout de suite. Donc direction les baraquements. Là, il y a un dépôt d'armes, donc c'est safe. En fait, faut voir ça comme ça. S'il y a un dépôt d'armes, c'est que c'est safe. Tout connement. Ok les gens? Dépôt d'armes égale safe. Éviter de trop me montrer non plus. Est-ce que j'ai pas genre un bon petit gros f... Non, j'ai pas encore développé d'autres gadgets, mais à longue distance tout en restant précis. Ouais, j'ai pas... Le problème c'est que j'aimerais bien avoir une arme à longue distance, mais silencieux quoi.
Il a un silencieux, c'est ça? Ouais, il a un silencieux, je prends lui. Le M468. Couper le relais de communication. D'alimentation, pardon, excusez-moi. Ok, donc on y va. Ah, si je me plante pas, il y en a juste derrière là. Enfin, si je me souviens bien plutôt. Donc attendez. Si je me plante pas, il y en a. Ok, il y en a bien un là. Il y en a un dedans. Là. Il y en a deux là-bas au fond. Il y en avait un à la fenêtre, si je ne dis pas de la merde. Mais il ne m'a pas vu. Non, il n'y est pas. Ok, j'hallucine des mecs. Attention, attention. L'exercice armé aura lieu à 8:00. Je rappelle l'exercice à 8:00. Il semble que là, il y en a un au fond. Ah non, à la fenêtre. Enfin, là. Je suis sûr qu'il y en avait un pourtant. Votre attention, s'il vous plaît. L'inventaire du matériel est terminé. Tu sais qu'il y en a un qui va arriver? Je l'exécute avant qu'il voie. Nickel. Il me semble que pour sortir ça va être un peu plus compliqué. Là, il me semble, si je dis pas de la merde, qu'il y a déjà à l'intérieur. Je les entends de toute façon. Oh merde. Il y en a un au fond là-bas. Qui que tu sois ou quoi que tu sois, montre-toi. Cet aérodrome est privé. Là, vous voyez, j'aurais gardé mon exécution. Là, j'aurais fait un petit massacre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, ça va être un peu plus compliqué. Hop, ni vu ni connu. Dame, bien joué. Ma voiture est garée de l'autre côté de la grille. Mais à mon avis, tu n'es pas encore parti. Tu veux dire quoi, là? Je repère une antenne satellite connectée à un appareil émission. Fais le sauter au C4. Ok. Mon GPS n'est pas désactivé? Si, évidemment. Mais ils peuvent toujours te repérer à l'aide du satellite. Dis donc, la prochaine fois tu serais gentil de faire tes devoirs avant. Je sais que t'es là.
Ouais, il sait qu'il est là, il sait qu'on est là, n'est-ce pas? Pourquoi que j'aille lui casser sa gueule lui? Ok. Je me suis fait voir. Là, je vais gentiment disparaître. J'aurais dû le marquer quand même. Je sais pas où ils sont, mais ils y sont. Bon, là, maintenant, je me suis fait repérer. Ça va être un peu plus chaud quand même. Ils ont compris qu'il y avait quelqu'un. Dans le genre discrétion, j'ai vraiment perdu la main quand même, parce que ce genre de zone, je le passais ni vu ni connu. Enculé. J'ai vu le moment où... Tu dois commencer par signaler ton copain hein, au passage. Ouais, vous êtes bien. Bon, je vous prends pas du tout pour des truffes. Je lui tire de couverture inutile. Bon, en fait, je fais des grands allers-retours depuis tout à l'heure. Je les élimine petit à petit, irons-nous. Là, je suis pas en mode discret. En fait, faut que j'aille tout au bout là-bas et que je revienne. Et vous voulez rire, en réaliste, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour revenir, c'est de rusher en fait. Enfin, de rusher, non, c'est se dépêcher en fait. C'est genre, vous courez comme un sagouin, mais le temps qu'en fait, ils se rendent compte que tout a pété, bah, vous êtes déjà barré quoi. Donc, c'est plutôt cool. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là-bas. Là-bas au fond. Il y a un côté, bref, vous avez compris. Là, là, là. J'ai pas le tag. Bref, je sais où ils sont. Il se pourrait qu'il me voie, c'est le souci, vous voyez. Et je crois qu'il y en a même plus par là.
Ça me paraît très logique quand même, le système de brouillage juste à côté, tu sais. Genre, non, on mettra pas de garde par là, non, non. Bref. C'est bon, l'antenne est piégée. Ok. Maintenant, file récupérer ma voiture derrière la grille. Leurs véhicules sont tous à l'intérieur. Si on grille leur système de sécurité, ils sont coincés. Bien joué. Il est armé et très dangereux. Bien fait de ne pas taper trop fort. Rejoignez immédiatement vos forces de sécurité. Déchirez là-bas ! Tourneur, installé ! Ils sont bêtes, hein. Mais voilà, la meilleure solution, ça vous allez rire, c'est de courir. Ouh! Hop, et là, doucement, je m'en vais. Tel un chat. Moi j'ai le temps. Désolé de te l'apprendre. Et là je crois qu'il n'y a plus personne de toute façon. Un peu plus. Mauvaise nouvelle. Sarah va bien, mais je vais devoir repousser ton appel. Oh merde. Arrête de jouer. Tu ne m'appelles plus tant que je n'ai pas ma fille en ligne. Alors là il me semble qu'il y en a juste en face. Musique s'excite un peu. Ouais, elle s'excite beaucoup, je trouve même. Il y en a un là. On est d'accord. Il y en a un là. On est d'accord. Il y en a d'autres aussi. Il y en a un là. Déjà, je me suis éliminé de 3. Ok. Cet endroit n'est pas si grand. Oh, Fisher, il est là. Tu quitteras pas cet aérodrome, Fisher. Il y a aussi cette méthode. Hein. Oh non, 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 non. Aussi cette méthode un peu plus bourrine, n'est-ce pas? De toute façon, on était repérés. Donc au point où on en était, j'ai envie de dire... Pourquoi pas un peu abuser de la force? Yeah, finish. Sécurité Paladin 9, ici Victor Coste. C'est Sam. Je suis en ville et j'ai besoin d'un coup de main. Si t'as des emmerdes, vaut mieux qu'on se voit. Eh dis donc, mais c'est quoi tout ce boucan? Je disais bien que tu reconnaîtrais ce son. Ça te rappelle quelque chose? Ah. Yuck. Hey Sam, comment va ta petite? Elle va bien. J'ai eu un courrier avec un petit dessin. Sa mère a dû l'aider un petit peu. Sympa. T'as de la chance. Moi, c'est pas mes gosses qui m'écriraient. Tu t'écrives pas parce que tu sais pas lire. Très drôle. Mais quand je me casserai d'ici,
Quoi ? T'iras à l'école ? Hé, hey Sam, y a pas un examen d'entrée à l'école maintenant ? Je sais pas si Victor a le niveau. Sam avait confiance en moi. Surtout après ce qu'on avait vécu ensemble dans le golf. C'est pour ça qu'il m'a appelé quand Échelon 3 lui a fait son petit numéro. Il avait besoin d'aide. Et il savait que je l'aurais jamais laissé tomber. De flashback en Irak. Oui, parce que il fallait bien. Je veux bien que ça introduise l'histoire et tout, mais bon, ça change un peu. Au moins, ça, c'est l'avantage de changer l'environnement. Vous avez vu la l'aide de, à la visée quoi. Je crois que c'était tout, il y en avait que deux. Non, j'ai vu une lampe. Where are you, petite lampe? Alors là, on va pas. Un réaliste, je me souviens, la fin, à un moment on avait une Gatling et tout, mais c'est une véritable horreur. Je sais pas comment. Je crois que j'ai failli péter un câble quand j'ai voulu le passer. Bref. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Oula. Putain. What? Genre, le mec, j'ai fait péter une grenade là, il y avait la grenade là, lui était derrière, il est pas mort. NP. Quand là, il y a du monde. Là, je sais pas si prendre de front serait une bonne idée. Ou s'il vaudrait mieux pas que je passe juste tranquillement. Est-ce qu'ils vont seulement me laisser passer tranquillement en fait? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont me voir? On va tester. Je sais qu'il y en a un là-bas, mais je sais pas où sont passés les autres. Sors ta tête. Oups. Toi t'as oublié de bouger, c'est ça? Non, c'est bon. Ok. On continue.
Ouais, ça fait un peu avancer tactique. Ou pas en fait, hein, ça fait un peu. Roulade. Son corps s'emballe un peu. Ou alors, je sais pas si c'est son cœur ou. Là, il me semble qu'il y a un peu de compagnie quand même. Oui. C'est pas que c'est une station de service. On va dire que si je peux tout faire péter d'un coup. Putain, ça c'est une infiltrée. Toi tu fais ta ronde à la con là. Comment je pourrais m'y prendre? Réfléchissons. Déjà par là c'est peine perdue. Sinon j'avais un silence là. Pif. Il serait mort et personne ne se serait jamais rendu compte. Ils m'ont pas vu. Ils sont débiles. C'est une IA. Là par contre, cela va s'avérer compliqué. Je pense que je peux pas monter. Là je peux pas me mettre là pour tirer parce que... Ça s'annonce en effet plutôt compliqué. Je crois que mon infiltration va s'arrêter ici en fait. Faudrait que je crée diversion avant. Faudrait que j'arrive à créer diversion. Est-ce que j'ai peur en fait de... J'ai peur de prendre le risque de tirer dans le tonneau, vous voyez. Et qu'il n'explose pas de suite. Ah oui, je sais, là je traîne un peu. Est-ce que toi tu serais capable de me voir? Ouais, t'es pas aveugle quand même. Quoique, attendez. Vous savez quoi? Merde. Je suis dans la merde. Voilà ce que j'aurais dû faire depuis le début. Putain, merde. Fuck. Merde. En fait, j'aurais dû y aller bourrin, tout faire péter petit à petit, puis ça aurait bien marché en fait. Hein. Ouais, vous savez quoi, on va faire ça comme ça. Allez, est-ce que je fais ça comme ça? Ouais, je fais ça comme ça. Allez, on y va. On va faire. Boum. Voilà, je me suis fait niquer comme une merde. Ah. Bon, réfléchissons. Comment je pourrais m'y prendre?
Le truc, c'est que c'est une station essence. Alors, j'ai rien à dégommer d'explosif là, à part ça. Et ça. Ok, ça me puce aussi, n'explose pas. Donc, c'est un epic fail. Ouais ta tête. Je peux décider même pas t'avoir comme ça. Réfléchissons bien, réfléchissons vite. Il n'y en a pas un ici? Il me semblait que j'en avais entendu un. Toi mon grand, remonte pas ta tête. Où est le pro? Ok, il est pas mort. Juste pas moché. Ok. C'est quand même des niveaux vachement moins d'infiltration. Et je parle pas trop du coup comme ça castagne. Alors qu'en infiltration j'ai quand même plus l'occasion de parler que ça. Alors, il y a deux types là-dedans, un type là-haut à l'étage. Comment vais-je m'y prendre? Alors, est-ce que je dégomme lui d'abord? Bam, comme ça. Je dégomme lui. Après, là, il y en a là-bas aussi. Grenade. Pas trop en forme là. Mode Call of Duty, j'attends de respirer un coup puis j'y retourne. Bah quoi.
انتبه. ذهبوا واحموا مواقعكم. هيا بنا. كيف تجد ذلك أيها الوغد؟ Je t'ai buté, une balle dans le bras. Ha. Tu m'attendais pas au bon endroit, toi. Sauver le chef d'escouade. En même temps, là, il a la merde. Là, il me semble que je peux y aller bourrin comme je... Merde, ils m'ont vu. Ouais, donc je disais, je peux y aller bourrin comme je peux m'infiltrer, mais... Vu que je suis déjà capté... Bonjour. Bonjour. Au niveau discrétion, zéro. Putain. Oui, donc Sam Fisher est aussi fragile en assassin qu'en personne normale. Ce qui fait que le truc est très compliqué. Ah, pourquoi t'es... Je ne sais pas pourquoi j'ai poussé cette voix de merde. Salut. Boum. Et là, tout le monde se tue. Culé. Ouais, je comprends pas un mot de ce que tu dis. Désolé de te décevoir. Par contre, je comprends le langage des balles. Toi, je crois que tu t'en es rendu compte. Vu que tu n'as plus de langage du tout. Ouais, sinon tu crèves toi. Ok, c'est bon. Alors je pige pas un mot de ce qu'il dit, mais putain quand il parle. Bonjour. 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 Salut. Merci, Vic. Allez, viens. Tu me diras merci quand on se sera tiré. Ah. La cavalerie arrive quand? Bonne question. Wofford, ici Husky. J'ai besoin d'un taxi pour deux, en urgence. Husky, ici Wofford. Putain, c'est votre jour de chance, les gars. Allez, écoute, dès qu'on vous a localisé. Bien reçu, Wofford. On est à... On dégage! Ah, donc du coup... Je me suis trompé en fait. Dans cette phase d'action, on incarnait pas, non c'est pas Sam Fisher, mais Victor, le mec qui est en train de parler. Depuis le début, c'est celui qui nous narre en fait l'histoire. Alors en réalisme, cette mission est d'une horreur. Je me rappelle plus pourquoi, mais j'avais tout le temps des échecs. Voilà, ça s'est super bien passé, bizarrement. Quoique. Merde. Désolé, ça. Husky, dit Basilic. Vous êtes toujours là? On est là, Basilic. Posez-vous deux secondes, les gars. On va venir vous tirer de là. Ok, on vous attend là.
t'entends, Sam? Où est-ce que je trouve? Vic, merci d'être venu. C'est ça, la famille, Sam. On laisse pas un frère derrière. Cette opération, ça allait marquer un tournant pour Sam. Même si on allait mettre des années à s'en rendre compte. Bref, le deal qu'il avait passé avec Grimm impliquait des infos sur les IEM et Black Arrow. Et généralement, quand Sam demandait de l'aide, ça voulait dire que c'était énorme. Restait à fixer le rendez-vous. On a choisi la fête foraine du côté du National Mall. C'est bourré de monde. Facile d'accès, et pas vraiment pratique pour les types qui sont après vous. Et Sam, il a fini par leur mettre la main dessus. Et donc j'espère que ce second épisode de Splinter Cell Conviction vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour la suite. Ils savent quand les potes de Conviction. Ils te surveillent pour me mettre la main dessus. Merde, c'est vexant, non? Bref, tu t'occupes d'eux discrètement, qu'on puisse parler tranquille? Y'a rien qui change. C'est sérieux, Sam. S'ils te repèrent, j'annule. C'est trop chaud. Alors vas-y. Fonce. Et on foncera la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Alors la prochaine mission, c'est rigolo parce qu'en fait il faudra, on va vraiment faire ça genre assassin, vous voyez, genre. Bref, pendant que l'autre il parle là, il y en a un que je suis en train de causer. Vous allez voir, la prochaine mission sera très marrante dans le sens où en fait les mecs ont des rondes prédéterminées et en fait il faut aller à leur point de ronde où ils sont dans l'ombre pour les exécuter. Enfin, vous verrez, c'est super. J'adore cette mission. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour la suite. Ciao les gens. Les gens. Les gens. Les gens.